Yo gros bonsoir amis football, nous comptons entrer la caillou avec tout ça qui a dominé l'actualité football là. On commence dans le pays d'Espagne avec l'équipe Real de Madrid là qui tombait 3 goals à 2 face avec Rayo Vallecano. Nous avons résumé goal et réaction après pour vous. Et après défaite équipe Real de Madrid là, équipe Barcelone qui automatiquement prend tête classement Liga Espagnole là, nous avons avec réaction après. Et bon côté parle toujours dans le pays d'Espagne, Nabil Fekir qui a supposé toujours être dans l'équipe Real Betis dans le journal ça. Nous parlons dans le pays d'Angleterre, notamment avec Journal Le qui réagit. Bon côté équipe Manchester United, lui-même dans la Ligue Europa qui héritier de l'équipe FC Barcelone. Et bon côté parle de tout le Journal Sao qui réagit après que l'équipe Liverpool, lui-même dans la 8e de finale, lui parle gagner pour affronter l'équipe Real de Madrid. Là. Nous parlons dans le pays de la France avec l'équipe Paris Saint-Germain, lui-même qui héritier dans la 8e de finale, l'équipe Bayern de Munich. Là. Et nous parlons également dans le pays l'Italie avec l'équipe Milan, c'est lui-même qui héritier dans les 8e de finale, équipe Tottenham, nous avons avec réaction à la presse pour vous. Nous parlons également dans le pays Portugal avec Jonas Sali même qui réagit sur le tirage au sort 8e de finale Ligue des Champions, mais également Jonas Sali même qui vient avec Mercato à côté équipe Paris si jamais vraiment intéressé avec joueur équipe Benfica. C'est une vidéo qui est tout ça qui a dominé l'actualité football en tourné après pause là pour vous donner tout détail pour vous. C'est une vidéo de presse là dans le pays de la France avec le journal Le Parisien lui-même qui mettait à la une le Paris Saint-Germain tombe sur du très lourd. En effet, dans 8e de finale Ligue des Champions, après tirage au sort, l'équipe Paris Saint-Germain qui parle gagner pour toquer Conny face avec l'équipe Bayern de Munich. Là. Et en effet, c'est plusieurs journaux dans le pays de la France qui réagissent, notamment avec le journal L'équipe lui-même qui fait qu'on est opaque des retrouvailles. Le journal qui a les plus grave dit encore un choc face au Bayern. En février, le Paris Saint-Germain va recevoir au match aller le club allemand qu'il avait éliminé la saison dernière en quart de finale, mais contre lequel il avait perdu la finale de 2020. En effet, c'est l'équipe Paris Saint-Germain en année qui se passe, elle a été éliminée. Équipe ça qui c'est Bayern de Munich, mais en 2020, c'est l'équipe Bayern qui était champion sous la Ligue des Champions. Hein. Mais un 8e de finale qui a annoncé la couleur dans le pays de la France. Et toujours dans le pays de la France, dans la Ligue Europa, il y a l'équipe Nantes même qui héritait de l'équipe Juventus de Turin dans le barrage ou bien nous capables dans les 16e de finale. Journal là qui mettait à la une la Super Ligue Europa. Et journal là même qui allait plus loin pour capable dit éliminé de la Ligue des Champions et reversé en C3. La Juventus affrontera Nantes en février. Une affiche prestigieuse pour les Canaries. De son côté, Rennes sera opposé aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. En parlant de Tottenham, nous avons tout tombé dans le pays de l'Angleterre, notamment avec le journal Manchester Evening News lui-même qui venait sous deux clubs Manchester. Yo. Pour l'équipe Manchester United, la Ligue fait qu'on est très dur puisque Manchester United est dans la 16e de finale dans l'Europa League la Prague pour affronter l'équipe FC Barcelone. Mais bon côté par l'équipe Manchester City, la Ligue fait qu'on est vraiment chanceux puisque Prague pour affronter dans la 8e de finale l'équipe RB Leipzig là. Et toujours sous Ligue des Champions, il y a un journal ça lui-même qui vient sous équipe Liverpool là qui héritier de l'équipe Real de Madrid là pour le mettre à la une, yon vrai deal. Mais fait jeu de moi avec Real pour faire connaître que Emile Jorgen Klopp qui ont horreur dans Ligue des Champions après que l'héritier de l'équipe Real de Madrid là qui était sur champion sur dans Ligue des Champions. Hein. Et journal là qui parlait de deal également puisque mes propriétaires équipe Liverpool là yon mette à 20 ans pour 4 milliards de livres sterling. Et bon côté par les gains journal ça lui-même qui reprend une déclaration de Jorgen Klopp qui fait qu'on est que cette fois-ci et mais Real de Madrid qui prend le besoin vite en fil là pour qu'on ait qui sa équipe Liverpool là lui-même niveau. Et journal là qui parlait de équipe Liverpool là et Manchester United lui-même qui tirait des deux grands géants espagnols. Il a toujours été dans le pays d'Angleterre avec l'autre information toujours concernant l'équipe Liverpool là avec Daily Express lui-même qui fait qu'on est que propriétaire mettait pour vendre pour 4 millions de livres sterling. Le journal là qui fait qu'on est que propriétaire même qui vient obligé mettait à vendre après que Super League d'Alien n'y pourra boire le jour et notamment équipe Chelsea lui-même qui déjà vendre. Et c'est un dossier vente équipe Liverpool là qui fait la une dans le journal de Daily Telegraph lui-même qui juste mettait à la une c'est à vendre. Si propriété actuelle a été acheté le club ça pour environ 300 millions de livres, et mais désormais il y a besoin de 4 milliards d'euros pour vendre le club si là. Bon, côté parler tout gain journal ça qui vient sous vente équipe Liverpool là, mais qui vient tout sous dossier Ligue des Champions. Hein. Équipe Liverpool là qui a préparé pour West League à tirer un revanche sur l'équipe Real de Madrid là. Nous allons aller dans le pays Portugal et journal Rojogo lui-même qui réagit sous tirage au sort 8e de finale Ligue des Champions. Yo. Notamment l'équipe Benfica de Lisbonne qui héritier équipe Club Brugge qui sort dans le pays Belgique et l'équipe Porto lui même qui parle pour jouer face avec Inter de Milan qui sort dans le pays l'Italie. Le journal là qui fait qu'on est que il y a les quarts de finale qui déjà en vue pour deux clubs portugais. Le journal là qui vient avec statistiques pour le faire qu'on est ça fait 33 ans que aucun club dans le pays Belgique pour que j'aime battre l'équipe Benfica.
bon côté pas équipe FC Porto qui bagaille pour jouer face avec Inter de Milan sous dernier 7 matchs, yo perdu seulement un seul duel face avec club italien yo. Ça qui t'a fait quoi que équipe Benfica et notamment équipe FC Porto yo paraît favori pour 8e de finale si là yo. N'a toujours été dans le pays Portugal avec Journal Sali même qui vini sous Mercato pour faire connait que équipe Tottenham nan est vraiment intéressé avec Edouard qui a joué l'équipe Sporting de Lisbonne nan. Il y a une clause de 60 millions d'euros et même fait connait que l'équipe Tottenham qui pourra faire une offensive pour lui dans le mois de janvier qui a venu là. Toujours dans le mercato, il y a un journal Sali même qui c'est Abola qui vient sous Antonio Silva qui a fait une très belle saison avec l'équipe Benfica de Lisbonne. Le journal là qui fait connait que des clubs anglais qui voulaient payer 60 millions d'euros pour lui. C'est pas seulement club anglais puisque le journal a fait connait tout l'équipe Paris Saint-Germain vraiment intéressé ensemble avec lui. Le thème même APC aussi de Cajun son option de prêt Léotard Van Draxler avec l'équipe Benfica de Lisbonne. Nous parlons dans le pays l'Italie et nous avons commencé avec le journal Papier Rosa qui c'est Gazette dello Sport qui réagit sous tirage Ligue des Champions notamment pour trois clubs italiens. Pour côté par Ligue équipe Tottenham dans les mêmes qui héritier de l'équipe Milan, c'est Inter qui va gagner pour frapper pour lui avec FC Porto et Napoli lui-même qui a une occasion dans ce journal ça face avec l'équipe Eintracht Frankfurt là. Le journal là qui fait qu'on est que en fait 3 sur 3. Le journal là qui a l'épine pour le faire connaître que Conte lui-même qui pourra gagner pour compter sur Ibrahimovic, Inter qui pourra jouer Lukaku là pour gagner pour affronter l'équipe ça lui-même qui c'est l'équipe FC Porto. Et bon côté par l'équipe Napoli à lui-même qui gagne occasion en or puisqu'il a toujours été invaincu dans le pays d'Italie et pour gagner pour affronter l'équipe Inter Frankfurt là. Et toujours ce tirage au sort 8e de finale, le journal Corée de le Sport qui fait qu'on est que la coupe, oui c'est possible. Mais le fait qu'on est que 8e de finale qui vraiment sourit avec le club italien, c'est seulement l'équipe Milan, c'est lui-même qui mal tombé, notamment face avec l'équipe Tottenham de Antonio Conte. Mais quand bien même journal là qui vini sous quelques matchs qui parle jeudi, notamment l'équipe Milan, c'est qui parle gagner pour jouer et l'équipe Napoli qui parle gagner pour affronter l'équipe Empoli. Occasion pour qu'on creuser et qu'on en tête classement. Nous parlons dans le pays l'Espagne et nous avons commencé avec journal ça dans le pays Pologne lui-même qui relaie une information qui concerne le pays l'Espagne. Il fait connaître Cristiano Ronaldo contre Robert Lewandowski. Je ne doute déjà équipe Barcelone qui va gagner pour affronter dans les 16e de finale de l'Europa League équipe Manchester United là. Et gros match ça tout qui fait là une journal sport lui-même qui vraiment duel de champion entre équipe FC Barcelone avec Manchester United. J'ai un pilier amis football well et mis son duel qui t'a supposé gagner dans Ligue des Champions mais qui va gagner dans jour jeudi dans Europa League. Et toujours sous tirage au sort ça gagne journal Mundo Deportivo lui-même qui ouais c'est deux finales qui va gagner dans pays l'Espagne. Et première finale là c'est pour l'équipe Manchester United face avec FC Barcelone et l'autre finale là lui-même c'est pour le Real de Madrid face avec l'équipe Liverpool là. Mais bref, le club espagnol lui-même qui héritier de grands cadeaux européens. Nous parlons toujours dans le pays l'Espagne côté te gagner match et équipe Rayo Vallecano lui-même qui rivait gagner équipe Real de Madrid la 3 goals à 2 la Kylie. Mais il y a un journal ACM qui réagit pour le fait qu'on est que Real de Madrid ça a été perdu tête li. Une phrase qui a un double sens puisque non seulement équipe Real de Madrid a perdu match ça mais il perdu tête classement Liga espagnole là également. Et journal là qui a les plus pour a dit yon Rayo Vallecano qui était vraiment intense et courageux qui baillon bien avec le pire Real de Madrid pendant saison ça. Et c'est tout le journal qui réagit notamment avec le journal Marca lui-même qui fait qu'on est que géant c'était équipe Rayo Vallecano. La Pablo c'est eux-mêmes qui t'ont ouvert ce sur Real de Madrid après pour Real de Madrid t'es virer deux goals à un mais équipe Rayo Vallecano qui t'es non seulement égaliser mais mettre un goal pour te faire victoire ça sur Real de Madrid. Une défaite qui coûtait cher avec Real de Madrid puisque lui coûtait le premier place dans la Liga espagnole là. Et bien c'est la fête bon côté équipe Barcelone notamment avec Jonas Sali même qui mettait un bâton et un boule pour équipe Real de Madrid là. Mais avec défaite ça, équipe FC Barcelone qui passe dans tête classement et qui a même mis un grand écart aujourd'hui s'il t'arrive à gagner. Journal là qui fait qu'on est son équipe Real de Madrid sans capacité de réaction, sans Karim Benzema. Et bien défaite équipe Real de Madrid là tellement rangé dossier équipe FC Barcelone et journal Mundo Deportivo qui déjà a célébré pour le fait qu'on est FC Barcelone, c'est leader Liga espagnole là. Il fait qu'on est cette équipe Rayo Vallecano qui était vraiment brillé et qui était provoqué. Première défaite équipe Real de Madrid là pendant la saison ça dans Liga espagnole là. Mais désormais, leader Liga Espagnola lire l'équipe FC Barcelone. Et bon côté par journal Les Sportifs mettait à la une représentant de leader. En effet, l'équipe FC Barcelone qui a arrivé dans le mondial là pendant que le pral mené Liga Espagnola s'il t'arrive à gagner aujourd'hui face avec l'équipe Osasuna. Mais bon côté par le journal là qui fait qu'on est que Gérard Piqué qui parle gagner pour jouer dernier match avec l'équipe FC Barcelone. Et mes fanatiques football, comment ça a été? En résumé, c'était Santi Comesana qui était ouvert score dans 5e minute de jeu pour l'équipe Rayo Vallecano. Lucas Modric sur pénalité t'est venu égaliser dans 37e minute de jeu. 4 minutes plus tard, des militants sont connectés et mettent deuxième goal pour l'équipe Real de Madrid là.
Alvaro Garcia te vin egalize nan 44e minute de jeu. E bon kote pal Oscar Trejo sou an penalite nan 67e minute de jeu ta vin bay victoire sa avek ekip Rayo Vallecano. Yon komese avek tout fanatik football ki deja pataje video sa, ki deja mette yon like. Ou men ki pou kon fè sa, sonje pou ka fè sa juste avan ke wale. Kata pou nou men nou abdou a la pochen bonne video. Ke bon je beni chak moun ki tap gade video sa.